Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à cette conférence, ce webinaire en ligne où nous parlerons bien évidemment du projet de transport à cordes. Comme d'habitude, je suis Donatien Gérard, investisseur dans le projet depuis 2018. Chaque jour qui passe, je suis très content de voir mon investissement apporter de la plus-value au monde, mon investissement, faire partir d'un grand projet comme celui du transport à cordes. Dans le webinaire de ce soir, nous parlerons tout d'abord des dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous parlerons des facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous verrons les problèmes et les risques des systèmes de transport actuels, les possibilités et perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport. Nous verrons donc ce que Skywalk Community vous offre et quels avantages, perspectives et bénéfices vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Commençons. Les jeunes professionnels de l'Inde ont visité le centre d'essai de Sharjah.
Le centre des chaires de la technologie à Cordes du Sharjah a été visité par des étudiants de l'université Pandit Dindalayal en Inde. La délégation comprenait des étudiants spécialisés dans le génie pétrolier, l'ingénierie mécanique, le génie civil, l'ingénierie électrique et d'autres domaines. Le groupe était accompagné par le docteur Pravin Kodjire, professeur adjoint de génie chimique et fondateur du Centre de recherche et de recherche sur les biocarburants et la bioénergie. Lors de la visite, les invités ont pu voir le phare du projet, un modèle à grande vitesse du transport qui peut accélérer jusqu'à 500 km par heure. Les futurs ingénieurs ont également parlé des caractéristiques du rail à cordes. Pour ce rappel, il se compose de plusieurs éléments. À l'intérieur se trouvent des faisceaux de fils d'acier précontraints qui rendent la piste résistante aux charges. Les influences extérieures, les faisceaux protègent le boîtier en acier qui sert également de carburant, de conducteur, autant pour moi, qui sert également de conducteur de courant. Par la suite, une attention particulière a été accordée à la maquette de la ville linéaire. Ce concept implique la construction de colonies vertes avec une énergie verte développée et des transports en commun sûrs. Notez que le centre d'essai organise régulièrement des visites guidées pour les jeunes professionnels. Auparavant, le site avait déjà été visité par des étudiants de l'Université de Carthage et les représentants du Fonds Rubu Carn. Alors, ce n'est qu'une suite de visites ainsi par plusieurs personnes qui s'intéressent de la jeunesse jusqu'à les grandes délégations gouvernementales qui s'y rendent pour pouvoir voir de leurs propres yeux de la technologie et s'assurer de la fiabilité de celle-ci. Le docteur Anatoly Uniski a fait un rappel sur l'appel d'offres à Dubaï, le nouveau transport et la construction à Sharjah. Le fondateur du projet de transport à cordes, Anatoly Uniski, a parlé de la façon dont les travaux en Biélorussie et aux Émirats arabes unis progressent. Il a également partagé un plan pour l'avenir. Nous avons préparé un résumé de cette interview. Commençons par le progrès sur la construction à Sharjah. Sur la deuxième ligne, le montage de 46 supports intermédiaires et la construction du premier support d'ancrage sont terminés. La fondation, OK, les fondations et le niveau inférieur des murs en béton du deuxième support d'ancrage ont également été posés. Les travaux devraient être achevés à l'automne 2022. Sur la quatrième ligne, 8 supports intermédiaires ont été installés et les travaux de construction et d'ingénierie sur les supports d'ancrage ont été terminés. Des travaux sont en cours pour l'installation de la structure de trajet. Les ancrages ont déjà été installés. La connexion de l'alimentation a commencé. Cette ligne devrait être mise en service d'ici la fin de l'année. Nouveau modèle de transport pour les passagers. Dans la production en Biélorussie, un nouveau modèle de transport de passagers a été développé. Cette voiture peut accueillir 25 passagers et sera testée à Sharjah sur la quatrième ligne. La piste permettra d'accélérer le modèle à 150 km par heure. Appel d'offres maintenant pour les constructions de pistes à Dubaï. Parlons-en. Nous avons conclu un accord de coopération avec la RTA. Je joue en Transport Authority il y a deux ans. Pendant tout ce temps, la préparation de l'appel d'offres se poursuit. Au début, le projet a été revendiqué par 30 entreprises de différents pays. En conséquence, les experts de RTA ont sélectionné seulement 5 offres. Nous sommes parmi les leaders, mais tout va décider de la compétition. Nouveau transport à grande vitesse. Alors, un nouveau transport à grande vitesse est en cours de développement, ce qui surpassera le modèle existant. Waouh, c'est magnifique. En termes de performance, en particulier, nous avons amélioré l'aérodynamique.
Cela permettra d'atteindre la vitesse de conception avec un moteur moins puissant. En outre, le transport deviendra plus confortable dans le nouveau modèle. Il y aura des toilettes. En outre, nous avons travaillé aussi sur la possibilité de connecter plusieurs voitures pour augmenter la capacité de 40 passagers. C'est énorme et c'est magnifique. Alors, une autre dernière nouvelle. Les spécialistes débutants choisissent le projet de transport à cordes. Le projet de transport à cordes collabore régulièrement avec les établissements d'enseignement du Moyen-Orient. Par exemple, Amna Ali Abdullah Ali, étudiant en technologie supérieure, a récemment effectué un stage à Sharjah. C'est le plus grand établissement d'enseignement appliqué aux Émirats arabes unis. Amna Al-Ali étudie l'environnement commercial et l'entrepreneuriat. Lors du stage, l'étudiante était engagée dans la planification du contenu et la promotion du projet dans le réseau social d'affaires LinkedIn. Selon la jeune fille, le projet de transport à cordes occupe une position de leader dans le pays. Par conséquent, lors d'un stage, vous pouvez explorer différents aspects de l'entreprise, ses défis et ses opportunités. Alors, nous parlons ici du transport à cordes. De quoi s'agit-il? Une solution unique aux problèmes modernes de transport urbain et interurbain de marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis qui donne la possibilité à tout le monde de pouvoir devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Alors, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Enyem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi, comme on peut le voir, qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche. On voit bien là une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues, et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation que nous voyons ici nous est déjà familière, et pas seulement sur les images, non. C'est notre monde. C'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées, que ce soit par accident de voiture, train, navire, avion, acte terroriste ou conflit militaire. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Il faudrait que ça cesse. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes de transport ainsi que la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Alors, le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport mondial en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est que, en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons directement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi, nous avons le quatrième défi, qui est donc la consommation d'énergie. Il faut pouvoir réduire la forte consommation d'énergie. Donc, dans différentes années, de différentes manières, les gens ont essayé de monter plus haut à la surface de la Terre, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les ravins, les rivières et les forêts. Mais cela ne s'est résumé qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, personne n'a jusqu'à présent
pu combiner ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue roulée au pas des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas confondre ce système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures de téléphérique au-dessus de la surface du sol, funiculaire sur le flanc de la montagne. Ainsi, le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Mais avant d'y aller, qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit d'une ville linéaire en union avec la nature, constituée d'éco-maisons et de ports maritimes. La mise en place des systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement du transport à cordes à long terme. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport U-Sky, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires, détruisant les écosystèmes dans la zone de développement. Sur cette base, l'infrastructure des nouvelles villes et formations changera, ce qui sera plus facile à intégrer dans le paysage naturel existant. À cette fin, U-Sky dispose déjà de plusieurs solutions plus ou moins sophistiquées. L'exemple le plus ambitieux est une ville linéaire, un établissement urbain de type cluster qui s'intégrera harmonieusement dans l'environnement naturel grâce à l'utilisation des systèmes de transport à cordes. Alors ici, on a une image de éco-maison qui est un oasis en plein désert. Et ici, nous avons une autre perspective de ville linéaire utilisant le transport à cordes. Mais avant de continuer, lisons ensemble cette assertion du docteur Anatoly Unitsky, concepteur général des technologies de transport à cordes. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, fixons-nous le problème maintenant, qui consiste bien évidemment à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol et de changer la faune et la flore. On peut voir cela sur cette image. Créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route, c'est la prochaine étape. Ensuite, nous pouvons donc à ce moment laisser poser, je veux dire, le rail et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants vue précédemment avec une corde tendue, avec un câble tendu comme une corde plutôt. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, okay, on va donc plutôt poser le câble. Les supports lourds n'étant donc plus nécessaires à ce moment, on les remplace par des supports léger. On va ainsi tirer le câble et fixer donc ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires. Nous plaçons donc à ce moment notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi que cette structure ressemble à section. La solution et les propriétés sont sur le schéma. Variant de structure de rail à cordes, la tête de rail plate et la roue cylindrique en acier garantissent une consommation d'énergie minimale pour le mouvement. Le rail à cordes combine les propriétés d'un câble souple sur une grande portée entre supports et d'une poutre rigide sur une petite portée sous la roue d'un autorail électrique et au-dessus du support. Voici donc la section du rail d'un rail semi-rigide qui a été présentée. On voit bien là la tête du rail. On voit les cordes, qui sont des faisceaux de fil d'acier précontraints. On voit aussi un agent de remplissage qui est un béton flexible. Et on a le corps du rail. Alors, sur cette base, donc, il est possible de construire 3 types de structures de trajet. Chacune d'elles a ses propres tâches et avantages.
Un rail semi-rigide, un rail rigide et un rail flexible. Alors, le rail semi-rigide peut être utilisé pour des véhicules ayant une range, un intervalle de vitesse allant de 50 à 250 km par heure. Le rail rigide de 100 à 500 km par heure et le rail flexible de 30 à 150 km par heure. Alors, ici, nous avons une représentation interne du châssis. OK, pour voir la conception, on se rend compte qu'ici, nous avons un inverseur de moteur, un radiateur, des systèmes de refroidissement, des batteries d'accumulateurs. Nous avons un système anti-sortie. Nous avons aussi un convertisseur de tension pour les cités que cela. Alors ici, nous avons une représentation du système anti-déraillement de la technologie de transport à cordes. Ici, vous pouvez regarder les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage qui montre les aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez donc vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur à cet endroit, qui est près de 600 mètres, peut être facilement bloquée par une seule travée. Alors, ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas de bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport du deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs, séparer et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons maintenant aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie de celui-ci augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Voilà pourquoi nous avons cette forme aérodynamique de l'unibus à grande vitesse qui permet de réduire le coefficient de traînée par rapport à celui d'une voiture conventionnelle moderne de 10 fois. Sur le transport de second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie peut atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et pour cette raison donc d'aérodynamisme, nous pouvons voir que ce transport peut permettre d'éviter, à grande vitesse peut permettre d'économiser autant pour moi jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne. Nous avons vu précédemment. Pour un bon résumé afin de savoir où nous sommes en train d'aller. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Alors, dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que Yuskay offre est peu en vert. Nous avons donc la conclusion que le transport à cordes a la solution la plus optimale en termes de coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et le taux d'accident de transport.
Ici, nous avons un graphique qui montre l'avantage du transport à corps en termes de temps de délivrance et coût de délivrance. Ici, nous avons une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Et il est clair que le transport jusqu'à est le plus optimal. Nous voyons ici, c'est rien que le coût par kilomètre est jusqu'à 10 fois inférieur aux autres systèmes de transport les plus modernes, je précise. Alors, nous pouvons dire que le transport de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et écologique. OK. Tout le monde peut investir dans ce projet. Comment faire? Contactez tout de suite la personne qui vous a parlé de ce magnifique projet. Cette personne vous aidera à vous inscrire via son lien d'inscription. Vous pouvez commencer votre investissement à partir d'un montant minimum de 50 dollars. À partir de 250 dollars, vous avez un plan de versement pratique qui vous est offert et qui consiste à diviser le package d'investissement par 5 mois. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs dans plus de 200 pays partout dans le monde, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Quelles sont donc vos perspectives? En participant à ce projet, qu'est-ce que vous gagnerez? Tout d'abord, des dividendes. De tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera, il fera des bénéfices. 20% de ces bénéfices sera réparti aux différents copropriétaires de la technologie en termes de dividendes chaque année. Et je tiens à rappeler que l'entreprise a signalé qu'elle fait déjà des bénéfices. Et donc, d'ici l'année prochaine, nous pouvons commencer à recevoir nos premiers dividendes. Le rachat d'actions. L'entreprise, à un moment donné, peut décider, après la 15e étape, de racheter les parts des investisseurs. Elle a déjà fait en 2018 pour les 5 000 premiers investisseurs de la société qui ont pu revendre leurs actions à un montant allant jusqu'à 10 fois le montant investi. Héritage. Les parts d'actions que vous avez sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants en héritage. La vente d'actions. Les valeurs actuelles des actions données ou mises en vente par la société sont bien inférieures à la valeur nominale qui est de 1 dollar. En cas de décision de la société de participer au marché boursier, vous pourrez avoir la possibilité de revendre vos actions à ce moment-là. Alors, l'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoli Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, d'expérience pour que sa création voie le jour. Alors, ce monsieur est chercheur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 150 inventions dans le domaine de la construction, des transports, de l'ingénierie, de l'électronique et de l'industrie chimique. Il est bien évidemment créateur du système de transport spatial et géospatial, ainsi que d'un certain nombre de projets de transport et d'infrastructures basés sur la technologie à cordes. Ce n'est pas n'importe quel homme. Il est chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies en 1998 et en 2002. Bien évidemment aussi fondateur du groupe de société Unitsky String Technologies. Alors, les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site. Et il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien, bien détaillés. Aujourd'hui, il y a près de 11 modèles de véhicules qui ont déjà été développés dans la technologie pour le transport des passagers. Et d'autre part, il y a des 4 modèles de véhicules pour le transport de marchandises. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Non, pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit et avec les méthodes modernes de livraison de structures de construction par des drones volants, fournis également par la technologie. Nous avons des drones qui peuvent supporter jusqu'à une tonne, porter jusqu'à une tonne. Il ne sera donc pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Non, le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Et en ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger
la Fondation. Au début de 2020, le Transport Accord a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction du Transport Accord, en direction de l'Uniflash. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le Transport Accord a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site. La technologie de Transport Accord a obtenu plus de 83 brevets des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats et récompenses également. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web uniski.engineer. Sans aucun doute, il est impossible pour un seul homme de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà pourquoi l'entreprise Uniski String Technologies a été créée à Minsk. Depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises, des passagers interurbains et urbains. Alors, l'agent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en République de Biélorussie, dans la ville de Marinagorka. Chaque année, à l'heure de l'éco-fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. À chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats arabes unis, dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Chaque photo que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Et le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et dans un avenir pas si lointain. Il s'intégrera facilement dans le paysage naturel comme le fait le métro ou le tram aujourd'hui. Ils ne nous surprennent plus du tout. Nous pouvons dire, en guise de conclusion, que le transport à cordes est un transport innovant au-dessus du sol, à haute vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable, surtout écologique. Alors, parvenu au thème de cette présentation, je vous dis merci déjà pour votre aimable attention et n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je me ferai un plaisir de les répondre. Alors, portez-vous bien et à très bientôt pour les dernières nouvelles du projet.